bien, c'est vrai que le truc, c'est moi. La rose est bandie, ton oignon soye chaque mercredi. Moutoutou en a droit à participation. Talara Rose, la fleur rose, et Monsieur Zago édiqué. La rosée matinale, bravo, bravo, bravo. Ils font la télé différemment. Bonjour fidèles téléspectateurs, c'est un grand plaisir pour nous de vous savoir déjà nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Aujourd'hui, nous avons changé de plateau, n'est-ce pas, pour vous montrer combien nous sommes vraiment dans l'innovation. Mais sinon, sachez que nous faisons cette télé différemment pour vous mettre très à l'aise. Chaque mercredi matin, à pareille heure, prenez votre cure de détente et de la bonne humeur avec la rosée matinale. Cette vibration porte un nom. Elle s'appelle la rosée matinale, votre toile d'araignée. Et voici ce qui fait notre différence. Plus de 20 millions de téléspectateurs sont branchés en ces moments pour suivre la télévision qui rime avec les développements. La rosée matinale, c'est faire la télé différemment. Et bien voilà, nous sommes vraiment entourés des travailleurs, travailleuses autour de nous. Mais sinon, nous faisons cette télé différemment pour vous mettre à l'aise. Aujourd'hui, nous avons des sujets très importants à vous proposer, fidèles téléspectateurs. Nous allons mettre l'accent sur la différence qu'il y a entre la cuisine congolaise, la cuisine européenne et la cuisine africaine, particulièrement la cuisine congolaise. Il y aura un invité avec nous qui va nous parler de cette qualité, en fait, de cette différence qu'il y a et aussi pourquoi nous devons manger nous devons accepter, voilà, notre cuisine africaine. Mais sinon, avant tout, j'aimerais quand même vous proposer cette très belle mélodie, cette très belle mélodie, voilà. Il s'agit ici de la chanson Boyebi, Boyebi, c'est ça? Ah, Boma et Musique, ça parle de Pourquoi Chérie. Pourquoi Chérie, j'aimerais que vous puissiez découvrir ensemble avec vous, avec vous fidèles téléspectateurs. Je dédie cette chanson à tous les téléspectateurs fidèles de cette tranche d'animation, La Rosée Matinale. Votre unique source d'information, d'éducation et de divertissement. C'est la rosée matinale sur la chaîne du développement. La rosée matinale, c'est faire la télé différemment. Elle veut plus de moi, rara, car je suis mauvais. Elle souffre en silence, elle pleure des océans, ouais. Sous cœur, sous ciment, au fond elle n'est pas de ciment. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. C'est pas une vie de joie, et moi un boycotté. Ma chérie, y'a des hauts et des bas, notre avenir est rattrapable. Je n'y ai des screens et des bas, être sérieux, non, je ne suis pas capable. On pouvait s'en sortir, mais toi comme par hasard. Toi tu retiens le pire je suis pas là-bas. Si ma tête a brillé, je te jure c'est pas ma faute. Bien sûr qu'on est lié, et tant pis pour les autres. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre.
seul dans ce désert. Papa, 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 pour ton inconnu la misère. Tu me mets dans un gouffre où je n'ai pas pied. Et je me retrouve perdu comme un sans-papier. J'ai laissé mon cœur, tu l'as vandalisé. De mes fautes, tu désires me verbaliser. Et ma bella, t'es tout avoué, sera peut-être en oublié. Et ma bella, ouvre la porte, ne me laisse plus sur le palier. N'écoute pas tous ces michetons ailleurs. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Voilà, je pense que cette chanson vous a fait énormément plaisir là où vous nous suivez, dans vos maisons respectives, dans vos salons, salons de coiffure, bureaux. Partout où vous êtes, sachez que nous vous aimons énormément. Alors aujourd'hui, nous allons marteler sur quoi ? Nous allons parler de l'art culinaire. Pourquoi l'art culinaire ? Parce que la bouffe, là, c'est, en fait, c'est notre vie quotidienne. J'aimerais quand même inviter un spécialiste de ces domaines. Lui, c'est M. Alain Diassonga. Il va venir nous rejoindre sur cette antenne. Ensemble, nous allons discuter sur l'art culinaire. Voilà, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien, vous-même. Je vais bien, merci. Déjà la santé. Très bien, tout se passe bien. D'accord, mais vous donnez l'apparence d'être artiste peintre, stripteur, modéliste. Expliquez-nous un peu. Je suis un artiste culinaire. Culinaire. Chef cuisinier, oui. Avant tout. Donc mon art, c'est de travailler sur la cuisine. Sur la cuisine. Mais pourquoi vous donnez cette apparence des artistes, comme je l'ai souligné tantôt ? On ne vous dit pas d'habitude ? Je porte une tenue de chef. J'ai une veste de cuisine, inscrit mon nom. Ça, c'est un tissu que je fais fabriquer. Très intéressant. En Guinée. Très intéressant. Alors, cette émission, cette tranche d'animation, La Rosée Matinale, a le plaisir de vous recevoir. Merci. Vous avez du talent dans ça. Est-ce qu'on peut comprendre sa date et combien d'années déjà ? Ben, je suis chef de cuisine depuis l'âge de 22 ans. Donc, je suis passionné par la par la cuisine. Mm-hmm. Et ma passion, c'est surtout une cuisine assez fusion. Une cuisine qui sert justement à sublimer les produits africains. Donc voilà. Ici, spécialement, les produits congolais. Très bien. Parlez-nous brièvement de l'art culinaire, ses concepts, expliqués aux téléspectateurs. L'art culinaire, c'est de mettre nos produits en valeur, permettre aux clients, quand ils mangent un plat, déjà de les dévorer par le regard avant de le goûter. Très intéressant. Là, c'est selon sa compréhension parce que c'est quelqu'un qui fait ses domaines. Mais et pourquoi insister sur la présentation ? C'est très important. Quand on présente, je prends un exemple. Si on présente le dango dango, mm-hmm. si on le met juste sur l'assiette, ça ne donne pas envie. Mais quand je décide de le faire confire et de le mélanger avec des poivrons ou un peu d'échalotes, ça donnera une autre dimension. Très intéressant. Alors aujourd'hui, nous allons marteler sur cette différence qu'il y a entre la cuisine africaine et celle de l'Europe. Voilà. Alors déjà, est-ce qu'il y a une différence ? Parce que nous n'avons pas les mêmes cultures. Expliquez-vous. La différence, elle est déjà, c'est que la cuisine congolaise, on aime beaucoup manger en buffet. On aime quand les plats sont multipliés. C'est-à-dire qu'on va dans un restaurant, on va dans une fête, on aura envie de voir le pondou, mm-hmm. voir le madesso, voir le fumbois, mm-hmm. tout ça dans le même buffet. Alors qu'en Europe, on aime beaucoup la cuisine où c'est un service à l'assiette. On va démarrer par une entrée qui est composée de salade, un peu de légumes. Mm-hmm. On suit ensuite avec un plat, viande ou poisson, finir avec un dessert. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Ouais. Mais ça dérange notre culture ou ça ne dérange pas ? Parce que je suis avec un professionnel, on doit quand même éclairer l'opinion. Ben, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de Congolais, quand ils voyagent, ils s'adaptent à cette culture. Mais quand ils restent au Congo, ils veulent la culture congolaise, qui est de manger en buffet. Là, actuellement, je suis au Sultani, hôtel Sultani. Le midi, on fait un buffet congolais. Donc, on a beaucoup de personnalités qui viennent, qui aiment cette culture. On est sur le buffet. Mais le soir, c'est la même clientèle, quand ils viennent, ils veulent une cuisine congolaise, mais gastronomique. Un peu différent. Très intéressant. Alors, parlez-nous de votre observation faite lors des séances d'accueil, lors de réceptions. Qu'est-ce que vous remarquez ? La Congolaise ou les Congolais, qu'est-ce qu'ils aiment d'habitude ? Le Congolais aime rester dans les produits les plus connus, c'est-à-dire le madesso, le pondou, la chikwang, le foufou,
Les Congolais n'aiment pas trop des changements, en fait. Dès qu'on change un petit peu, faut pas toucher. C'est vrai? Ouais. J'ai fait un séminaire autour du pondou, où j'ai cuisiné un pondou à la vapeur. Il y a des Congolais qui étaient un peu réticents, mais qui ont fini, en goûtant, ils ont fini par aimer. C'est vrai? C'est vrai. Très intéressant. Fidèle téléspectateur, je vous rappelle que je reçois pour vous un professionnel dans ces domaines, voilà, de la cuisine. C'est un homme. Nous savons tous que les hommes préparent mieux que les femmes, mais il va quand même me confirmer cela. Est-ce vrai que les hommes préparent mieux que les femmes? Je confirme à 100%. Non, mais je ne te soutiens pas. Je suis en train de vous demander cette explication. Ma mère, elle a fait 4 garçons. Ok. Je suis la fille de ma mère. Et je confirme que les hommes préparent mieux que les femmes. Vraiment. À part ma mère, je n'ai jamais vu une femme qui prépare mieux que moi. C'est vrai? C'est vrai. Parlez-nous de votre femme. Elle prépare mieux que vous? Malheureusement, je ne suis pas marié. Très intéressant. Alors, fidèles téléspectateurs, comprenez qu'on a voulu savoir si réellement il est en train de goûter la bonne sauce. Mais bon, il s'est abstenu, c'est normal, c'est la vie, on continue. Mais parlez-nous quand même de cette expérience. On voit les images passer. Là, c'est votre inspiration. Ouais. C'est... Là, je suis en plein dressage. En fait, aujourd'hui, je suis un chef international. Je dirige 2 établissements au Sénégal. J'en dirige 1 en Côte d'Ivoire. J'en dirige 2 à Paris. Donc là, on me voit en train de dresser des plats. Là, on a par exemple une gambas que j'ai fait en quai de genoux. En quai de genoux parce que c'est en Côte d'Ivoire. En quai de genoux, c'est juste en sauce avec du piment. Vous avez maîtrisé toutes les recettes du monde entier? Du monde entier, ce serait grand. C'est ça trop parlé. Trop dit, hein? Voilà. Mais j'ai pas mal d'expérience et pas mal de passion. Mais la cuisine, elle est assez large. Donc j'ai encore beaucoup de chemin encore. Très bien. On prend par exemple cette recette. Si elle nous engage, je sais pas si vous pouvez rester là. On aimerait quand même savoir, ça vous prend combien de temps pour en faire? D'abord, c'est dans la tête. Le temps déjà d'être inspiré. Après, d'élaborer la recette, ensuite faire le croquis de comment on veut le dresser, le temps de la préparation. Une recette, on est à peu près sur entre 30 et 1 heure, le temps de préparation et de présentation. Pourquoi avoir ce look de Zoulou? Africanisme. Je n'en disconviens pas, c'est une question. Voilà. Les téléspectateurs regardent comme moi, ils envoient des textos, on aimerait quand même savoir ensemble avec eux. C'est africanisme. Ma cuisine, elle est beaucoup fusion. Je suis basé sur des produits africains. Mon style est basé sur le naturalisme africain. Mes cheveux sont naturels, mon style est naturel. Mes vêtements sont fabriqués en Afrique par des Africains, pour des Africains. Très mes chaussures même sont africaines. Ah d'accord, ok. Les téléspectateurs ont manqué de voir aujourd'hui. Mais nous aimerions quand même retourner du côté de la réalisation. Vous proposez cette très belle mélodie de Youssoupha. Je pense que comme il a parlé de l'Afrique, 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 on retourne chez nous. Youssoupha, pour vous. La rosée matinale, c'est faire la télé différemment. C'est ça même. Alors tu chantes comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Alors tu chantes comme un rossignol. Singila. Youssoupha. Chanter comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Elle te fait chanter comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Je viendrai chanter à ta fenêtre. Que tu penses à moi même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette. Pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor. Te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas ma part est dans le vent. Entre quatre, mais toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as en force, je t'aime une sirène. Oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi. Je te veux rien que pour moi. À toi, je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi, je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi, je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. J'adore ta façon de t'habiller, tu es si coquette.
enquête. Ton regard me donne de bons frissons. À tes côtés, je m'affole, je perds la tête. Ta voix est la plus belle des chansons. Je ne suis pas une contrefaçon, mais bien celui qu'il te faut, moi. J'ai mis du temps à te trouver, laisse-moi te prouver ce que je vaux, mi amor. Oh, je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre, mais toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé tel une sirène, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi, je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. C'est vrai qu'elle rend fou, c'est vrai c'est un ange. C'est vrai qu'elle t'envoûte quand elle se déhanche. C'est vrai l'élégance se mélange à son karma. C'est vrai c'est le genre tu présentes à la mama. C'est vrai qu'elle est douce, c'est vrai qu'elle est bombée. C'est vrai quand elle bouge, j'ai vu des hommes tomber. C'est vrai qu'avec elle, tu rêves story love. Mon Dieu, mais c'est vrai qu'elle t'a rendu rossignol. Et toi qui t'agrippe pas, grippe pas, grippe pas. Comme si avec elle t'avais trouvé de l'or. Singila, oui monsieur. Faut aimer avec le cœur, pas avec les yeux. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. Intéressant, merci beaucoup de vos textos, hein. Mais précisez-nous par rapport à notre invité du jour. Cette chanson a bien fait plaisir à celui qu'on appelle Papa Vicky Lokula. Je vois Jacques Vango, je vois de l'autre côté Gramik Kangi sera le nôtre un moment. Il y a Léonce Lakiang, il y a Naomi Mounpe, il y a Lia Kapesa, il y a également Chris Poutou. Joli Makwa, il est à la prise de vue, voilà, nous sommes vraiment blindés. Il y a aussi celui qu'on appelle KBG Kabongo, il est de l'autre côté. Alors cette chanson vous a fait énormément plaisir. Je reviens à mon invité, il s'appelle Monsieur Alain Diazonza. Attends, je ne vais pas massacrer votre nom, ne dis rien. Diasonga. Voilà. La dame est en train de sourire, ne souris pas madame, ok? D'accord, alors je reviens à vous. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes satisfait déjà du travail que vous êtes en train d'entreprendre? Je suis un éternel insatisfait. J'avance de jour en jour, le travail s'est fait. Mm-hmm. On essaye d'évoluer, de travailler sur d'autres produits. Okay. Là, récemment, je travaille sur des produits qu'on trouve au Nord Kivu, la cannelle, le poivre. Mm-hmm. Donc, on essaye de faire des recettes. Voilà. On continue de travailler. Ok. Maintenant, on a l'opportunité de pouvoir savoir... la différence qu'il y a entre la cuisine européenne et de l'Afrique. La différence qu'il y a entre la cuisine d'Europe, mm-hmm, et la cuisine des pays d'Afrique, parce que, mm-hmm, l'Afrique, il y a plusieurs pays. Oui, c'est très vaste. Voilà, la différence qu'il y a en Afrique, on a mangé... Et on entrera aussi au Congo. Hein. Au Congo aussi. C'est Congo-Kinshasa. C'est exactement. Voilà. La différence, c'est qu'en Afrique, on a mangé directement le plat de résistance. En Europe, on a commencé par les amuse-bouches, oui, l'entrée, le dessert, pour faire un repas un peu complet. C'est la seule différence qu'il y a en fait. C'est que maintenant, le travail, c'est d'arriver de sublimer un pondou, mm-hmm, ou de sublimer un madessou. Est-ce que ça nous pose préjudice, le fait de ne pas avoir l'entrée, vous ne faites pas l'apéritif, ben, vous entrez directement à la recette? Quand on en parle, c'est vrai que nous, les Africains, on a l'habitude de dire on ne mange pas des légumes. On ne mange pas de la salade, alors que c'est faux. Beaucoup d'Africains mangent des légumes et mangent aussi de la salade. Quand on en propose et qu'on le sublime, on en mange. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est question d'avoir cette habitude? C'est question de continuer à persévérer, okay, à forcer, à présenter et surtout, okay, à sublimer. J'aime bien ce mot, moi. Très intéressant. Bon, voilà. Alors, c'est un jargon pour vous? C'est un jargon. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez aider les Congolais qui nous suivent en cet instant, mm-hmm,
qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, voilà, dans notre recette congolaise? Dans la cuisine congolaise, je veux dire, une femme qui va recevoir son mari, ça serait bien de prendre ne serait-ce que le solo, les petites aubergines, okay, que beaucoup de gens soit mangent cru, mm-hmm, ou ne mangent pas, le mettre dans une poêle, un peu d'huile d'olive, le passer un petit peu au four pendant 15 minutes, ça servira à les confire. Et si on n'a pas de four? On n'a pas de four, on le fait juste à la poêle. On le fait juste à la poêle, okay, mais à basse température, avec, okay, du sel, du poivre, un peu de cannelle, ça apportera une petite douceur un petit peu, et le servir avec juste une petite salade, ça fera la petite entrée. Et après, le monsieur, il pourra passer ensuite avec le madessou, ou le foumbois, mmh, ou tout ce qu'il Pourquoi veut. Pourquoi vous dites foumbois, vous dites madessou, alors que vous avez la possibilité de dire madessou, mmh, et foumbois? Ben là, dans ce cas, ça madessou... Ça sourit un téléspectateur, mais c'est important, on doit se dire la vérité. Ben, je pourrais dire madessou, pondou, pour faire le nsaka madessou. Voilà. Mais j'aime bien le foumbois. C'est juste pour ça. Moi, c'était juste la tonalité. Voilà. Le foumbois, ouais, on dit, ah, quand vous dites ça, vous êtes vantard. Ah bon? Oui. Non, quand même pas. C'est pas vrai. Je suis congolais, hein. Ah d'accord. Je suis congolais. J'ai aimé cette précision. En avance, combien de personnes avez-vous formé déjà dans ces domaines? En apprenti, on va dire, et en stagiaire, j'en ai formé moi plus de 200. 200? Plus de 200, et il y en a à peu près, si je ne me trompe pas, au moins 30 qui sont devenus des chefs dans des grands établissements à travers le monde. Très intéressant. Dans deux qui sont étoilés Michelin, deux étoiles au guide Michelin qui sont à Monaco. Ok. Mais vous n'avez pas d'autres distractions en dehors de votre travail, parce que c'est important aussi, hein? La musique. La musique. La musique. J'aime congolaise la musique. Ou... La musique congolaise, la musique jazz, la musique reggae. Ok. Voilà. Est-ce qu'il est important, lorsque vous mangez, il faudrait que vous puissiez entonner quelques petites sons de musique? C'est important? Moi, personnellement, quand je mange, j'aime bien le calme. Ah d'accord. Pour moi. J'aime bien le calme. Non, vous êtes professionnel. Voilà, passez-nous les secrets. J'aime bien le calme. Le temps de bien ressentir les produits que je mange, de bien les reconnaître et de bien digérer. Mmh. Le temps de bien ressentir. God. Voilà, c'est un plaisir pour vous. Faites-nous parvenir des textos, hein. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de recevoir pour vous un professionnel, parce que ça fait partie aussi de l'information que nous avons besoin. Nous avons toujours le souci de vous donner, hein, en tant que téléspectateur. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Vous allez continuer à faire ce travail à bon escient? Vous comptez faire d'autres choses en dehors de ça? Si c'est seulement dans le travail, vous avez encore des chats à fouetter par rapport à la formation? Ben là, pour l'instant, je suis invité au Bénin pour une conférence autour de la gastronomie béninoise. Mm-hmm. Et j'ai continué ma formation. Là, je suis venu avec deux de mes stagiaires. Okay. Et je continue la formation. Mm-hmm. J'en ai 8 encore qui m'attendent. Donc, et j'ai encore d'autres voyages. La semaine prochaine, je pars à Abidjan pour, okay, aller rencontrer une école hôtelière et continuer autour de la formation. Et gérer les établissements auxquels je gère déjà. Très bien. Et travailler sur mon futur projet. Comment appréciez-vous le gens de votre domaine, les personnes de votre domaine qui travaillent à Kinshasa précisément? Vous appréciez leur travail de loin? Oh oui. Ou s'il y a un conseil à prodiguer, ou si vous le faites? Non, j'ai rencontré un très grand chef, que les gens s'est suivi sur les réseaux. J'ai fini par le rencontrer. Il a son restaurant ici à Kinshasa. Je pense, je ne donnerai pas son nom, mais tout le monde le connaît. Ouais. Donc c'est un très grand chef, on a pu se rencontrer, on a eu un grand échange. On va se revoir pour voir des projets un peu futurs. Mais sinon, non, il y a des bons cuisiniers à Kinshasa. Ok, très bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre discussion d'aujourd'hui. Je pense qu'on va vous retrouver un peu prochainement, après que vous ayez terminé vos séjours à l'étranger, soit dans des provinces. Vous partez aussi à la province? Pour l'instant, je dois aller à Kimpetse et après je dois aller à Lumumbashi. Okay. Mais ça sera dès mon retour de Côte d'Ivoire. Très bien. Vous avez un petit temps de discuter avec ceux-là qui vous suivent par rapport à un conseil que vous pouvez prodiguer, toujours dans le cadre de la bouffe. Prendre le temps de bien cuisiner. La malbouffe, ce n'est pas bon pour la santé. Prendre le temps de mijoter les plats, prendre le temps de les surveiller et surtout prendre le temps. La cuisine, c'est le temps. Ça prend du temps. Mm-hmm. La cuisine fait à la vite fait, c'est pas bon. Faut et la présentation également. La présentation également. Okay. Il faut réfléchir, il faut dessiner comment on veut dresser le plat.
Voilà. Et dresser la table, c'est votre confort aussi? C'est mon confort aussi. Voilà, félicitations. Vous avez un petit mot pour la tranche qui vous reçoit aujourd'hui? Ben, je vous dis à très bientôt. Et continuez à suivre, à écouter l'émission et à suivre sur les réseaux Chef Alain Diassonga. Voilà. Très intéressant, longue vie à toi et bonne chance pour ton boulot. Merci beaucoup. Je crois qu'on va vérifier les gens qui sont passés par vous par rapport à cette formation que vous dites. Bien vous sûr. Parlez des 200 personnes, est-ce vrai? Nous allons mettre un peu du doigt là-dessus. Et encore, j'étais modeste. Voilà. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, c'était avec M. Alain Diassonga, voilà, que nous avons eu à discuter sur la cuisine. Voilà, il y a une différence entre la cuisine européenne et la cuisine africaine. Je crois qu'il a vraiment donné des arguments par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il fait. Si ça vous satisfait, réagissez. Et si vous avez des questions, vous pouvez avancer, vous pouvez nous faire parvenir les questions. On va lui reprendre un peu plus tard. Mais n'oubliez pas que nous faisons cette télé différemment pour vous. Chaque mercredi matin, à pareille heure, prenez votre cure des détentes et de la bonne humeur avec la rosée matinale. Cette vibration porte un nom. Elle s'appelle la rosée matinale, votre toile d'araignée. Et voici ce qui fait notre différence. Plus de 20 millions de téléspectateurs sont branchés en ces moments pour suivre la télévision qui rime avec les développements. La rosée matinale, c'est faire la télé différemment. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez mangé de la bonne nourriture aujourd'hui. C'est la connaissance, c'est très intéressant pour vous. Alors, big bisous à toi, ma coiffeuse. Elle s'appelle, celle-là, c'est Maman Dorcas Ngamangoi, une femme vraiment vertueuse, hein, mais seulement elle a déjà son mari, que je salue aussi à passant. Et ben c'est ça, il faut préciser, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont dire, mais attends, j'ai besoin de cette dame. Non, elle est mariée. Merci beaucoup. Et je crois que cette discussion a fait plaisir également à Joël Kalongi. Il est donc du côté son. Voilà, c'est un jeune homme. Voilà, merci beaucoup à vous. Le temps pour moi de prendre l'agenda culturel. Cet agenda culturel va faire plaisir à Siem Zhang, à l'excellence Comte, l'époux voilà, de Raissa Mondine et Queen. Ils ont déjà un enfant. Hein, donc, je donne l'information. Quoi. Si elle a déjà une fille, elle a donné naissance à une fille qui a déjà ses premiers pas. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Ok, vous êtes d'accord avec moi? D'accord, c'est un peu ça. Il s'appelle Sierra. Donc, big bisous et puis bonne chance à vous, Sierra, et bienvenue dans ce monde, dans ces terres des hommes. Alors, j'ai Léonce Lacquion à mes côtés, bonjour. Bonjour Fanny, je suis très ravi et stupéfait. Est-ce que si elle a déjà un enfant, déjà? Moi, je ne pense pas. Est-ce que moi, je peux me lever là pour mentir à mes téléspectateurs? Moi, je ne pense pas. Ou à nos téléspectateurs? Maintenant, nous attendons l'arrivée, c'est bien qu'il l'arrivée va annoncer. L'arrivée de quoi? De l'enfant. Il est déjà là. Donc, déjà? Oui, déjà. Il a vu le jour il y a 2-3 jours comme ça. Il s'appelle Sierra, je suis au courant. Déjà. Oh, je te mets au courant. Merci Fanny. Après avoir compris la technicité de M. Alain, et nous sommes là aussi pour faire plaisir aussi à nos fidèles téléspectateurs par rapport à l'agenda culturel. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous avez prévu comme nouvelle à nos téléspectateurs par rapport à des événements qui vont se dérouler en semaine, soit le week-end? Voilà Fanny, déjà c'est vendredi, c'est la journée internationale de la musique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'agenda culturel de ce mercredi 19 juin 2019. À l'affiche, mesdames et messieurs, déjà bonne fête à tous les amoureux de la bonne musique. Déjà c'est vendredi 21 juin, c'est la fête internationale de la musique. Signalons que la Halle de la Gombe propose de grandes soirées exceptionnelles du jazz au rendez-vous, du pop au rendez-vous. À 17h, vous allez suivre des séries de productions hip-hop et à 20h, projection de films et des chorégraphies, toujours pour être au fureur là pour la fête internationale de musique. Mesdames et messieurs, deux soirées, deux méga concerts, c'est-à-dire le samedi 22 juin au Pullman Hotel, jadis Grand Hôtel de Kinshasa, et le dimanche 23 juin au
stade Tata Raphaël. Il y aura la participation de l'artiste Ferebola Bataringue, Awilo Lomomba et Anouska La Tigresse et DJ Amaroula. Prenez donc rendez-vous. Mesdames et messieurs, c'est signé le Nordaire Jeff Njani et Leteta. Fali Pouba, l'homme des contrôles. Félicitations à l'artiste pour cet opus contrôle. Et vous allez découvrir dans cet album des très belles chansons de cet artiste. Je cite Bafana, Bafana et pourquoi pas Eric Mandala. Signalons que l'artiste Fali Pouba se trouve présentement à Kinshasa. Et sur ces, l'artiste Fali Pouba prépare des séries, des productions aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Mesdames et messieurs, l'artiste Jibem Piana, le Mahatma, prenez-le encore rendez-vous déjà. L'artiste Jibem Piana et le Wenge BCBG en production déjà ce dimanche 23 juin à Biboua. Question, c'est pour la continuité de la fête dédiée à la musique. Mesdames et messieurs, l'album Balle de match sera très bientôt disponible. Information transmise par Roger Ngando, le porte-parole international. Werenson et le Wenge Musica Maison Mère en production, mesdames et messieurs, déjà c'est samedi 22 juin au Kermesse Les Visionnaires. Nous sommes là dans la commune de Kassavou, dans l'artère principale de la Grande Avenue Sayo. Prenez donc rendez-vous. Et les 12 et 13 juillet prochains, Werenson va se produire à Loufou. Information transmise par Biroge Mwanamboka. Ferregola, le Badre en production déjà le 29 juin prochain, toujours pour être au parfum de l'indépendance, c'est la date historique de notre pays. Prenez donc rendez-vous. Ferregola va se produire le 29 juin prochain au restaurant Olive Verte autour de la piscine. Signalons que l'artiste Ferregola toujours au studio pour l'enregistrement de son opus au premier soin. L'artiste Ibrator Piana, le contremaître. Demain déjà, l'artiste Ibrator sera en Afrique du Sud pour des séries des productions. Prenez donc rendez-vous le 30 juin. C'est la date historique de notre pays. C'est l'indépendance de notre pays. Et l'artiste Ibrator sera absent du pays où il est attendu en Afrique du Sud pour des séries de productions, précisément au Johannesburg. Et le 7 juillet, l'artiste Ibrator va se produire à Cape Town. J'espère que je n'ai pas massacré les noms. Et information transmise par l'artiste Ibrator Mpiana. Fabregas, notre médecin noir. L'artiste Ibrator lui aussi va se produire c'est vendredi 21 juin, toujours pour la fête de la musique, mais cette fois-ci, ça sera en pleine ville parisienne. Et le DJE, c'est la sortie officielle de l'album Cible Mise à Jour. Mesdames et messieurs, l'artiste Rédi Amici et la Casa do Conte. Prenez leur rendez-vous, c'est chaque vendredi chez Denise Grand Kassai. Nous sommes là dans la commune de Lingwala, quartier Beauvau. Venez encore écouter des très belles chansons de cet artiste qui chante des chansons éducatives, question de bien assimiler la matière. Mesdames et messieurs, enfin pour terminer, la rumba congolaise au rendez-vous chaque dimanche. Prenez donc rendez-vous à l'espace 1, 2, 3. Nous sommes là dans la commune de Kassavou. L'artiste ne meurt jamais. Venez encore découvrir l'artiste Franco Luambo Makiadi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir accueilli cette page culturelle qui vous a permis d'inscrire dans vos carnets, pourquoi pas dans vos agendas, quelques rendez-vous du week-end et pourquoi pas de la semaine. Fanny Maloura. Ouais, respirez un tout petit peu, mais sinon, vous connaissez une des chansons de Luambo Makiadi déjà? Oui, je peux chanter. Essaye un peu. Là pour te faire plaisir, hein, parce qu'entre un homme, une femme, il y a également faire plaisir aux téléspectateurs. Ah bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Et ça fait plaisir aussi à Patti Salou, Elvi Kasongo, Hervé et Foucault. J'espère que je ne vais pas massacrer les noms. Ouais. Merci beaucoup pour ta prudence. Hein. Ouais. On va se revoir le mercredi prochain. Bien sûr. Portez-vous bien. Toujours en retard, Fanny Maloura. Qu'est-ce que tu as des problèmes. Je pense que tu es en train de prendre quelque chose. Je dois vraiment te surveiller. Fidèle téléspectateur, je vous souligne. Hein. Je souligne cela. Je vais surveiller Léonce Lakion.
Voilà, je retourne à vous. Alors, fidèle téléspectateur, c'était Léonce Lakiong. Il nous a parlé de l'actualité, de ce que font nos artistes musiciens. Mais aussi, félicitations, soit un bon courage aux finalistes de notre pays et surtout de notre capitale. Bonne préparation de 4 jours. Hein. Ça sera donc la semaine prochaine. Alors, je vais justement prendre la rubrique santé. Qu'est-ce que nous avons prévu dans cette rubrique santé? Je pense que ça sera mieux que Grammy que Kangi puisse vous en dire plus. Suivez. Bonjour Grammy. Bonjour madame. Comment vas-tu? Aucun souci et en très bonne santé. Vraiment, nous partageons le même plaisir. Alors, le téléspectateur, expliciter le fruit que nous allons découvrir aujourd'hui avec vous. Effectivement. Mais sinon, on sera dans les bienfaits de... Je sais, mais j'aimerais que les téléspectateurs sachent auprès de vous. Bienvenue déjà, chers téléspectateurs, okay, dans cette rubrique santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fruit qui est connu communément chez les Quinois, chez les Congolais, mm-hmm, cœur de bœuf. Mm-hmm. Mais c'est un fruit qu'on appelle scientifiquement Annona reticulata. Là, c'est le nom scientifique pour tous les étudiants. Vous savez que bientôt, là, c'est les examens d'État. Tout à fait. Ils doivent quand même retenir les noms scientifiques de ces fruits qu'on appelle communément, c'est un nom vulgaire qu'on dit cœur de bœuf. Un nom scientifique, c'est Annona reticulata, connu avec beaucoup de noms sous d'autres cieux. Il y a par exemple le Kashima corosolier. Je pense que ces fruits, c'est un fruit originaire d'Amérique. Mmh. Et en ce qui concerne ses bienfaits, il y a 6 bienfaits, madame. Ok. La science retient 6 bienfaits pour ces fruits, cœur de bœuf. Nous pouvons déjà en citer. Il y a le cœur de bœuf rend moins sensible aux infections. Et à part le fait de rendre moins sensible aux infections, il maintient votre peau saine et belle. Et puis, il empêche d'avoir une anémie causée par une déficience en fer. Il régule la tension artérielle et il maintient un système nerveux sain. Il aide à réduire votre risque d'avoir de l'ostéoporose. Et parmi ces 6 bienfaits, madame, nous allons maintenant expliquer comment est-ce que le cœur de bœuf... Vous avez votre temps. Effectivement, madame. Le cœur de bœuf contient certains composés chimiques ou biochimiques que je peux citer, entre autres la vitamine C. C'est d'ailleurs l'élément principal. Il y a la vitamine C, il y a la vitamine B, il y a aussi les fer et les calcium. Maintenant, en prenant les premiers points, les premiers bienfaits, cela rend moins sensible aux infections. La semaine dernière, nous avions parlé de l'orange. Nous avions dit que l'orange, avec sa vitamine C, permet à ce que vous puissiez avoir un système immunitaire très en forme et très apte. Et c'est le cas, c'est vraiment la même chose avec les cœurs de bœuf. Le cœur de bœuf aussi, avec sa vitamine C, le cœur de bœuf, effectivement, permet à ce que vous puissiez être vraiment très en forme avec un système immunitaire très en forme pour éviter les infections. Vous savez, si votre système immunitaire est déjà attaqué, affaibli, il sera attaqué à tout moment. Et c'est à travers les globules blancs que le cœur de bœuf, avec sa vitamine C, procure aux humains que vous allez combattre contre toutes ces infections. Nous prenons les deuxièmes bienfaits. Il maintient votre peau saine et belle. C'est toujours avec la vitamine C. Vous savez, la vitamine C est une vitamine antioxydante, comme nous avions dit la fois passée. Et l'effet d'être antioxydant, ça permet à ce que vous puissiez avoir une peau saine, parce que avec le soleil, votre peau sera oxydée. Et comme la vitamine C, c'est un antioxydant, il va lutter contre cette oxydation, madame. Ok. Et en parlant, il empêche d'avoir une anémie causée par une déficience en fer. Vous savez, l'anémie est plus causée par une déficience en fer. Et maintenant, avec la vitamine C, et plutôt quoi? Le cœur de bœuf contient vraiment de la vitamine C. Et avec sa vitamine C, il permet plutôt de lutter contre l'anémie et combattre vraiment l'anémie. Et je le recommande à tous ceux qui souffrent de l'anémie. Okay. Et je pense que ça sera intéressant pour éviter aussi pour les enfants. Là, je recommande à tous les parents de vraiment d'utiliser ça pour leurs enfants. En parlant, il régule la tension artérielle. Là, c'est toujours avec la vitamine C. Vous savez, madame, la tension artérielle, c'est aussi à cause du cholestérol. Le cholestérol que d'aucuns jugent, il y a deux cholestérols. Il y a le mauvais cholestérol et le bon cholestérol. Maintenant, la vitamine C lutte contre le mauvais cholestérol. Mais à part ça, il y a aussi la vitamine C empêche aussi
permet à ce que vous puissiez avoir vraiment une tension vraiment très normale. Vraiment très normale. Okay. Et pour prendre, il maintient un système nerveux sain. Il maintient un système nerveux sain. Vous savez, madame, si vous n'avez pas un système nerveux en forme, vous ne serez pas être productif, comme on dit. Okay. Et ces pays, comme ici nous parlons du développement, les développements commencent d'abord par les cerveaux. Tout donc, à fait. Pour avoir un bon système nerveux, et pour les étudiants, ou pas pour les élèves qui vont faire leurs examens d'état, et pour les étudiants qui vont faire la session, je recommande à ceux qui puissent consommer ça, mm-hmm. le cœur de bébé, parce qu'il permet à ce que vous puissiez vraiment avoir un système nerveux très en forme. Vous savez, les cerveaux, c'est très important, madame. Et en parlant, les sixième point, les derniers points, les derniers bienfaits, il aide à réduire votre risque d'avoir l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est quoi? C'est juste l'insuffisance des os. Donc, l'ostéoporose, c'est quand la masse osseuse est en train de diminuer. Et avec le calcium contenu dans le cœur de bœuf, là, vraiment, vous serez en forme du côté os. Et je recommande à tous les parents pour leurs enfants, leur famille. Okay. Et c'est vraiment très intéressant, madame. Et à part ça, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits du cœur de bœuf. Entre, c'est un antidiarrhéique. Okay. C'est un antidiarrhéique, c'est un vermifuge, mm-hmm. c'est un fébrifuge. Quand j'ai dit un fébrifuge, c'est-à-dire que ça lutte contre les fièvres. Mm-hmm. Quand vous avez une petite fièvre, vous pouvez aussi prendre le cœur de bœuf. Et quand j'ai dit un vermifuge, c'est pour les vers. Mm-hmm. Ça lutte contre les vers. Et puis, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais en termes aussi des décoctions, d'infusions, là, vraiment, il y a trop de choses à parler dessus. Voilà, je crois qu'on va y revenir un peu prochainement parce que les téléspectateurs ont besoin de comprendre le bienfait de fruits qu'on est en train de présenter. Ici dans cette tranche d'animation La Rosée Matinale. Merci beaucoup Grammy Kanga d'être le Kangi, nôtre. Vous dites Kangi, Grammy Kanga. Kangi, ok, d'accord. Je vais pas massacrer ton nom, hein, mais sinon, c'est qui là? Ah, d'accord, j'ai compris. Merci beaucoup à vous. Alors, c'est bonne santé. Vrai, merci madame. Sans problème. Mais c'est j'ai un grand plaisir de rencontrer aujourd'hui un maître, ah, un maître en cuisine. Vraiment, c'est un métier, si pas une profession que j'adore. Okay. Et j'espère que les Congolais doivent emboîter les pas. Vous savez, ici au Congo, les gens pensent que faire la cuisine, c'est pour les femmes ou bien c'est un sous-métier. Mm-hmm. Moi, j'ai dit à tous les Congolais, c'est parmi les métiers honorables. Tout à fait. C'est vraiment parmi les métiers honorables. Ne suivez pas les droits, ne suivez pas toujours l'économie. Mm-hmm. Il faut aussi faire des gens des c'est très intéressant. Il n'y a pas de sous-métier, c'est question de se connaître, c'est question d'avoir l'estime de soi. Et ce que tu fais, tu donnes de la valeur. Alors, nous entrons directement à notre rubrique. Qui est donc dressant nos fronts. On a discuté avec un professionnel de la cuisine. Alors, cette fois-ci, on va comprendre un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de cordonniers, également des combistes. Ce sont aussi des gens qui aiment bien leur travail. Suivez. Dressant nos fronts. Votre unique source d'information, d'éducation et de divertissement. C'est la Rosée Matinale sur la chaîne du développement. La Rosée Matinale, c'est faire la télé différemment. Voilà qui bosse musique. Quand la même salle avec des musiques, la bête d'avocat c'est baisé. Avec la flamme musique, la lola, lola moana. Oh, moi, dit de yongo. Oh, bien, on quitte à un métier, pratique à moté. Donc, ça ôte. N'a pas tout un bon, ça va être moussalo. Et ça, les états, c'est un bon. Par contre, si pas son gangaï, pas sangaï, pas matériel. Alors, on va qui va m'intégrer. Vas-y, pas mieux que bélé. Moussal, je suis bien là, va t'aimer en couleur. Je suis venu à la maison.
la bacop, la bango. Bon, alors, tu as dit que 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 tu Mais si on a la machine, on a deux jours, on a reçu la 100 pieds. Donc, vous avez un peu de temps, l'État est en train de me faire. Voilà, je l'ai souligné tantôt que ça fait plaisir lorsque vous aimez votre travail. Parce que c'est ce que en fait, vous avez comme talent. Et ça va donner aussi du goût à d'autres personnes. Devenir modèle, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas de la magie, c'est en fait, ça vient de vous-même. Vous-même, si vous vous acceptez, vous dites, bon d'accord, j'ai du talent, et puis ben voilà, les autres vont aussi accepter. C'est comme ça que vous deviendrez modèle. Donc, c'est vraiment intéressant. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Maître Alain Diasonga, il est cuisinier, donc il nous a parlé de l'art culinaire également, de ces différences qu'il y a entre la cuisine européenne et la cuisine africaine. Je reçus aussi Léonce Lakiong, également Grammy Kangui, qui nous ont donné aussi des éléments par rapport aux hybrides qu'ils avaient produits pour vous. C'est un grand plaisir pour nous et nous vous disons merci de suivre la Rosée Matinale. Vos textos, nous allons les lire, nous allons vous dire quoi la semaine prochaine, mais merci de votre attention soutenue. Au revoir.